Coucou les scrappeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour finir ensemble ma petite série d'ATC pour répondre à mes petits courriers, mes petits échanges. Je voulais surtout vous montrer comment, puisque j'ai utilisé la poudre à embossage à chaud. Vous avez dans ma playlist les petits tutos comment faire l'embossage à chaud, celles qui ne connaissent pas. Mais j'avais acheté chez Keepers Créatif le mois dernier, ou peut-être même le mois d'avant, des poudres à embosser sublimissimes. Et je vous les avais montrées. Et là, je vous montre mes petites réalisations avec. J'avais acheté aussi la petite boîte, vous voyez, où on les met dedans. La boîte qui coûtait trois fois rien, je crois, 2 euros et quelques, hein, 2,50 €. Et j'ai pu y mettre mes petites comment, mes petites poudres ou voilà. Et j'ai même pu mettre d'autres petits pots, donc j'ai même pas été obligée d'en racheter pour combler ce petit pot de 6 places. Voilà, donc 2,95 € en plus, c'est encore toujours le prix. J'avais pris là c'est quoi le mot? C'est le nom de celle qui l'a fait. Inspiration. Donc c'est Sunbirth. Je vous montre. Voilà. Celle-là qui est sublimissime. Alors je vous montre ce que ça donne. Hein. Je l'ai fait, je ne vous fais pas avec vous, mais je l'ai fait sur une ATC, une AT Coin. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez bien. Elle est sublime. Il y a plein de petits reflets jaunes, orange. Voilà. Trop trop chouette. Il y avait aussi la bleue comme ça qui s'appelle Simis. Voilà, qui est très très belle. Donc elles sont toutes à 2,95 €. Elles sont vraiment super pas chères. Le petit pot coûte 2,50 €, je crois, la petite boîte. Donc vraiment sur Keepers Créatif. Et puis ils en ont une quantité. Alors moi j'en ai que 3, mais je crois qu'il y a au moins, je sais pas, 30, 40 couleurs différentes. Pour celles qui auraient envie de se lancer dans l'embossage à chaud. Vous voyez, regardez celle-là, elle a des petits reflets bleu-vert comme j'adore. Voilà, superbe. Et puis elles sont super chouettes. Et puis il y a celle-là qui est un petit peu plus foncée, qui s'appelle Océanique. Voilà, qui est un peu plus bleu foncé. Voilà, et qui donne ça. Voilà, regardez. Voilà, très très chouette. Vraiment superbe, hein. Le rendu est vraiment magnifique, elle se met super bien. La petite boîte qui va avec, je trouve que c'est vraiment super intelligent. J'ai utilisé les petits tampons que j'avais eu, il y en avait eu un, celui-là, les petites bulles que j'ai eu chez AliExpress. Et puis pour faire mes petites ATC ovales et mes AT coin, je vais tout vous montrer comme ça si jamais vous avez envie. Donc c'est un tampon qui vient de chez Queen A Craft, hein, je vous ai dit, maintenant je marquais. J'ai fait deux, trois petites pochettes comme ça, mais c'est pas ce que je préfère. Mais j'ai essayé, mais non, je préfère mes autres pochettes. Mais au moins j'ai pu regrouper, voilà. Et celui-là, donc c'est une petite planche de tampon avec plein de petits aquariums et de petits poissons qui sont super sympas, qui vient de chez Queen A Craft. Voilà. Les petits mots que j'ai utilisés, je vous montre tout comme ça évite qu'il y en ait qui me posent la question. Les petits mots, ce sont des tampons qui nous viennent du comptoir du scrap, voilà, que j'avais acheté dans la boutique de Cybella Scrap. Voilà. Donc. Est-ce qu'ils ont un nom, ceux-là? Non, c'est des mots, hein. Donc il y a carnet de voyage, itinéraire en folie, escale du jour, rendez-vous en terre inconnue, évasion garantie, séjour idyllique. Voilà, il y a des petits mots qu'on peut utiliser, donc qui sont tout petits sur des AT coin ou des ATC ovales. J'ai utilisé des dyes qui me viennent de. La compagnie des elfes, voilà, hein, qui a fait différents dives de différentes formes. Donc là, c'est des ATC ovales. Et puis pareil, l'AT Coin, voilà, pareil, la compagnie des elfes. Voilà, je vous ai tout dit. Je vais utiliser des petits nouveaux aussi pour mettre sur ma petite ATC. Voilà. Alors, les autres que j'ai déjà fait, mais celle-là, je vais faire différemment. J'avais fait un petit fond de brochot. Vous savez que j'adore. Regardez, c'était pour vous montrer. J'avais pas fait sur cela parce que je voulais vous montrer ce que ça rendait
l'embossage, hein. C'est pour ça que je n'ai pas fait un fond comme ça, je vais faire un fond avec une petite distress pour changer, mais voilà, vous savez, hein, mes chouchoutes, hein, mes, voilà, hein, mes bruchots, hein, vous en verrez plein, voilà, ça rend très très bien, hein, et ça n'empêche en rien qu'on voit bien l'embossage, voilà, mais là, je vais utiliser ma petite distress comme ça, qui est un bleu glacé un peu, qui s'appelle Salva... Je... Patina. J'ai toujours un anglais aussi formidable. Hein. Donc là, je vais... Hop. Alors, je tiens toujours avec le ciseau. C'est parce que c'est pour éviter de laisser mes empreintes. Alors, je vais laisser comme ça au départ. Et puis... Voilà. Celles-là, je vais les faire différemment. Oui, j'aurais pu prendre un truc aimanté hein, aussi. Voilà, je vais en faire trois différentes avec un fond un peu différent. Pour vous montrer ce que ça rend. Alors, on peut faire, voilà, l'embossage. On peut faire le bruchot et faire l'embossage dessus. Ou on peut faire, faire l'embossage et faire... Voilà. Et après, je prends une petite lingette et je passe dessus pour un peu effacer voilà. Ce qu'il y a sur l'embossage qui va se mettre par-dessus puisque c'est opaque, hein, par-dessus. Voilà. Mais l'idéal, c'est de mettre bien évidemment l'encre dessous, hein, et l'embossage par-dessus. Voilà. Vous voyez, c'est complètement différent hein, avec des bruchots et sans bruchots. Ça change. J'ai découpé tous mes petits trucs hein, déjà. Hein, vous avez vu. Parce que sinon, ça prend un temps infini à faire du découpage. Voilà. Ma petite colle. Oui, ma petite colle. Juste là. Alors, moi, j'en fais toujours une grande série hein, pour les ATC. Ovale, carré, ovale ou rectangulaire ou ronde. Oh, je sais plus ce que je bafouille. Voilà, moi j'en fais toujours une grande série. Hein, il n'y a pas de règles. Hein, normalement, c'est des séries. Donc, il faut quand même au moins en faire, au moins en faire deux. Parce que sinon, ça ne s'appelle pas vraiment des séries. Hein, mais après, on fait bien comme on veut. Voilà, toujours ma colle Patex de chez Action que je teste. Alors, elle est bien quand il n'y a pas de relief. Par contre, quand il y a du relief, elle a un petit peu de mal à coller dans le relief. Voilà. Si c'est une surface plate, ça va bien. Mais en relief, elle n'aime pas. Voilà. Itinéraire en folie. Donc, c'est vrai que le plus long, c'est de faire vos tamponnages, vos détourages. Et puis après. Donc le petit nouveau là que j'utilise, celui-là, c'est le Caribbean Océan. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, qui est un Crystal Drops, hein, que j'adore, moi. Les... Je trouve que... Voilà. Après, c'est vrai que j'en fais, comme j'en fais assez souvent... Regardez, voilà, c'est assez facile. Regardez en 3 secondes. Bon, j'avais fait le fond et tout, hein. Mais voyez, du coup, quand vous faites des petites séries. Donc, c'est la compagnie des elfes hein, qui avait fait un peu ces formes ovales. Et puis après, ils avaient fait un petit peu ces formes. Je vais peut-être mettre un petit aquarium pour changer. Des formes un peu. Donc la forme classique, hein, bien sûr, et puis aussi ces formes ovales et l'autre forme un petit peu stylée. Ils appelaient ça stylée. L'autre forme de... Voilà, et moi j'aime bien faire un fond coloré, vous le savez, celles qui me suivent depuis longtemps. Et puis faire des tamponnages en noir et blanc. Voilà. Bah, par contre là, le petit poisson, je vais le colorer. Parce que sinon,
ça ne va pas. Là, je ne vais pas m'embêter, puisque je vais faire avec des feux tout simples, hein, puisque ça n'a pas d'importance, c'est pas... C'est pas une colorisation formidablement super. Quelle couleur je peux utiliser? Bon, je vais rester quand même dans des couleurs un peu tendres. Donc j'utilise mes paper mate, hein, bien sûr. Puisque c'est voilà, c'est pas. Vous pouvez utiliser vos encres à alcool, vos feutres à alcool. Voilà. Chacun vos. Voilà mon petit poisson. Je vais lui mettre un petit soleil en haut parce qu'il est tout content. Il y a du soleil, hein, comme nous, on est super content quand il y a du soleil. Beaucoup moins quand il n'y en a pas. Et puis un petit mot, j'ai évasion garantie, à couper le souffle ou séjour idyllique. Donc je vais peut-être prendre un petit peu. De séjour idyllique. Puisqu'on va dire qu'il est en vacances, ce poisson, il est dans un aquarium de vacances. Voilà, donc souvent, voilà, si vous me demandez qu'est-ce que je fais de mes chutes, ben voilà, moi je ne fais pas de chutes. Dès que j'ai des chutes, je fais des petits tamponnages de mots que je garde. Vous le savez, j'adore ces petites boîtes que je touche chez Action. Regardez, je viens de la vider. Hein, et du coup, je mets dans ces petites boîtes et puis au bout d'un moment... Alors, au bout d'un moment, j'utilise, je fais des détourages devant la télé. J'adore ça. Voilà, vous voyez, c'est complètement différent quand c'est des... Alors, j'ai celui-là aussi de F Déco, de Fabrica Décoru. Celle-là, c'est en turquoise aussi, qui est pas mal. Alors, par contre, celui-là, il faut faire attention parce que ça a tendance à couler. Voilà, c'est différent, hein. C'est pas du tout... C'est pas du tout la même chose que les énamels d'hôtes, hein. Moi, j'aime moins. Mais voilà, après... Je crois que ça coûte quand même moins cher que... Voilà, celle-là, je vais faire tout autour. J'ai un bleu. Donc là, bien sûr, on fait attention parce que j'ai fait déjà les enamel dots. Ça, c'est le genre de truc où vous mettez le doigt dedans. Ben oui, sinon c'est pas drôle. Hein. Voilà. Allez, je vais finir tranquillement. Je vais vous montrer. Voilà, regardez. On ne voit plus trop l'embossage. Voilà, déjà. Une toute mignonnette de petite ATC, on est à la mer et voyez celle-là avec un fond de bruchot. Attendez, parce que je rebouche. Alors, la Patex, elle est sympa, mais il faut bien remettre l'épingle dedans, sinon elle se bouche. Vous voyez, avec les fonds de bruchot, ah ben, ça n'a rien à voir. Hein. Ça, c'est sûr, bruchot ou d'autres pigments. Hein. D'ailleurs, j'ai pas encore eu le temps de tester les autres pigments. Voilà, on voit bien que ça n'a rien à voir. J'en ai fait d'autres. Je vais vous montrer, vous en montrer quelques-unes. Voilà, avec... Regardez-moi celle-là. Avec les fonds de bruchot, hein, on a vraiment... Enfin, on peut avoir des résultats sublimes, hein, avec selon les poudres embossées que j'ai mis orange... que j'ai utilisé, la verte, la bleue, regardez,
Voilà, vous comprenez pourquoi je suis amoureuse des bruchots, hein. On peut avoir des résultats qui sont sympas avec juste des distress, des fonds de distress dans le brossage, mais voilà, ça n'a rien à voir, hein. Enfin, je veux dire, ça pète les yeux. Enfin, moi, j'adore. Après, voilà. Donc, vous voyez, j'en ai fait une belle quantité, hein. Regardez, j'en ai plein, 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 parce que moi, quitte à en faire, eh ben, j'en fais plein, parce que je trouve qu'une fois qu'on est parti, le plus compliqué, c'est de se préparer, ces petits tamponnages, ces machins. Et puis une fois qu'on est, voilà, on est parti dans notre élan, on en fait plein, voilà. Bah voilà, c'était mon petit tuto pour vous montrer surtout ces poudres à embosser, wouh, de chez Keepers Créatif, qui sont vraiment super, super sympas. Vous avez vraiment, j'adore ce orange là, regardez, avec ce fond de bruchot. Donc mes bruchots, je vous rappelle, hein, moi c'est un coffret de 24 couleurs, voilà, ça vaut une trentaine d'euros selon en promo. C'est vrai qu'en ce moment, ils étaient un petit peu en rupture. Ben, moi, je l'avais acheté chez Craftelier, hein, mais je sais que vous pouvez en trouver sur Amazon. Hein, et on en avait trouvé l'autre fois à Scrapin à 1 euro les petits pots. Mais voilà, c'est vraiment super sympa, vraiment avec le bleu là. Regardez, ça fait complètement différent aussi le bleu clair, l'embossage bleu clair. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué de vous montrer toujours à la caméra, mais voilà, vraiment, celles qui ne connaissent pas, hein, vous pouvez aller regarder. Et puis, bien sûr, c'est Graziella, hein, bien sûr, qui me vend tout ça. Mais oui, en plus, c'est sympa, j'ai pu mettre mes autres poudres. Hein, j'ai une petite poudre dorée, j'ai une petite poudre de chez Artemio en rose qu'on m'avait offert. J'ai ma petite poudre Distress aussi. Donc, vous voyez, ce qui est sympa, hop, c'est que j'ai cru que j'allais être obligée d'en racheter tout de suite. Non, mais j'en ai déjà plein, je voudrais utiliser. Et du coup, ça rentre dans ces petites boîtes. C'est assez sympa, je trouve, pour voilà, les transporter. C'est quand même super sympa. Voilà. J'espère que vous allez bien, que ce petit tuto. Moi, je vais terminer mes trois petites ATC qui me restent là, toutes mignonnettes, beaucoup plus simples. Ça n'a rien à voir, hein, vraiment. Enfin, voilà. Ah oui, sans bruchot, sans fond de bruchot. Après un fond de bruchot, enfin, voilà, c'est ça n'a rien à voir, hein, ça n'a rien à voir. Bon, ceci dit, elle est quand même super mignonnette. Je vais la laisser sécher. Faut que je fasse attention, ça c'est pas sec non plus. Je veux pas que je fasse des bêtises. Allez, on se retrouve très vite pour un prochain petit tuto ou haul ou je ne sais pas. Nous verrons bien, hein. Je vous fais plein de gros bisous. Bonne journée à vous.